Chez vous, vous êtes de quel? Moi, je suis de gauche. On est la même table de juifs. Ah, vous êtes de quelle gauche? Je suis juif. Ah, t'es pas juif de gauche? Ah, il n'est pas juif. Je suis juif. Alors, j'adore, mais... À côté de ma mère. À côté de ta mère. Ah, bien comme moi. Alors, elle s'appelle Yuri. Après, bon, j'ai été mon père avec des gars et tu vois, j'ai... Mais pourquoi vous leur reprochez de manifester avec nous? Mais je ne veux pas soutenir Israël. Mais tout de suite, dès qu'on parle avec quelqu'un, on l'agresse. On n'a agressé personne. C'est vous qui nous agressez. J'ai rien. Non, mais dès qu'on parle à quelqu'un, vous allez dire... Mais c'est moi qui l'ai appelé pour venir parler. Mais c'est moi qui lui parlais. Écoute, ton ami, il n'a pas le sens de l'humour. Vous voulez soutenir la Palestine, mais c'est tout ça. Il y a l'histoire de... Palestine, d'abord, c'est un voyage. La Palestine, ça a été inventé. Et vous voulez nous attaquer? Attends. La Palestine, c'est un anglais. D'ailleurs, je vous explique un truc. Quand tu prends l'histoire de la Terre, le monde entier, il y a eu le Big Bang. Après, il y a eu les hommes. S'il y a un homme, une personne dans ce monde qui se dit légitime à là où est son pied, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a personne qui a... La Terre, elle appartient à personne. D'accord. Ni aux Palestiniens, ni aux Américains, ni aux Allemands, ni aux Juifs, ni aux Américains. Ni à toi, ni à moi. C'est bien, hein. Oui, mais c'est pas va mourir. Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit Netanyahu. Hein. C'est pas ce qu'il dit l'extrême droite du Hamas non plus. Qui veut nous effacer de la terre. Ah, bon, alors tu dis quoi? Non mais oui, voilà, mais je suis contre les deux. Alors moi je suis contre les deux. Alors c'est quoi? Alors quand on dit mort aux Juifs, ça veut dire quoi? Mais personne n'a dit mort aux Juifs. Qui a dit ça? Le Hamas. Alors actuel et pas parisien. Moi je l'ai pas vu ça. Eh ben prends, tiens, t'as un téléphone. C'est l'a dit. T'as un téléphone. Tiens, il y a marqué quoi ici? Ouais, il y a mon nom là. Non, je m'en fous de ton nom, il y a marqué quoi? Journaliste, prends ton téléphone. Soit de bonne foi, devant la tête. Filme-le. Mais non, mais c'est pas grave. Filme-le. Écoute, je te crois. Regarde ce qu'il y a marqué dans la charte du Hamas. Mais c'est quoi? On va faire un débat là. Si je suis ton voisin et que je veux te tuer, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis ton voisin, j'habite au 7, j'habite au 8. Mais c'est que j'appelle un petit. Et pour que j'appelle un petit, tu vas me tuer. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous légitimisez le massacre? Non. C'est ce que vous venez de dire là. Qu'est-ce que tu as fait le 7 octobre? Ah, j'ai fait le 7 octobre, parce que pour vous, ce conflit commence le 7 octobre. Non, mais répondez à ma question. Vous, moi je suis journaliste. Vous soyez. Voilà, donc, non, mais 148, soyez honnête avec moi. Soyez honnête avec moi. Attendez, soyez honnête. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il y a eu? Pour vous, le conflit a commencé le 7 octobre. Tu viens de le dire. Ce conflit-là, oui. Ce conflit-là, non, il n'a pas. Non, voilà. Arrête. Vous prenez des réponses. Ah, d'accord. 1948, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'indépendance d'Israël. La reconnaissance de l'État d'Israël. Par qui? Par l'ONU. Alors l'ONU, soit on le croit l'ONU quand ça t'arrange, ou on croit l'ONU quand ça t'arrange pas. Moi, je crois tous les États. Mais peu importe. Non, mais quand l'ONU dit... Moi, je ne connais rien. Oui, je suis journaliste. Oui, mais je renseigne. Mais restez là. Je suis un clown. Mais restez là. Restez là, monsieur, restez là. Donc là, moi je vous aime, c'est pas grave. Moi je vous aime. Monsieur, restez là, on va parler. Restez là, c'est pas grave. Moi je suis ignare. Il y a marqué journaliste. Oui, alors moi quand tu es journaliste. Voilà. Ouais, mais je vais chercher d'abord, moi je vais pas t'agresser. On peut pas discuter. Juste que ouais, mais monsieur, voilà, donc là, vous êtes journaliste. Ouais, mais je suis journaliste, mais je cherche. Voilà, je vais chercher, d'accord. Mais je vais chercher. Mais tout ce que je vois. Cherche. Ouais, mais attends. Avant de m'agresser, rangez-toi à l'école. Donc on te parle, on t'agresse. Qu'est-ce qui agresse l'autre? Je reste pas moi. Oui, mais c'est toi qui ne veux pas parler, c'est toi qui m'aides. Parce que tu me mets quelque chose. Un truc journaliste. Ouais. Quand tu marques journaliste, donc, c'est quelqu'un qui va. Attends, mais je suis. C'est quelqu'un. Je te parle pas de ça, je te parle même pas des juifs. Mais ouais, mais là, regarde, là, il veut nous imposer sa discussion là. De quelque chose que tu prends l'histoire. Mais écoute-moi, je prends l'histoire. C'est une colonie. Le monde entier est une colonie. C'est une solution pour la paix en Palestine. Donc vous légitimez un massacre. Vous légitimez. Du tout. Donc il y a. Oui, mais pour le moment, moi, au fait que je suis qu'un journaliste.
humain. Je suis même pas journaliste, je suis humain. Donc il y a un massacre en ce moment. Il y a un génocide. Il y a un génocide. Oui, alors... Merci. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. De vous. Ça n'a rien à... On n'est pas en train de parler de ça. Je te parle d'ici. On est aujourd'hui ici à Paris, toi et moi. Ouais, voilà. Quel rapport déjà? Bah oui, en tant qu'humain, j'ai pas envie humaine, de voir. Monsieur, alors... La conscience humaine, monsieur. Ouais, voilà, j'ai pas envie d'avoir des gens qui meurent comme ça. Quand un jour, d'accord. On ne peut pas rester silencieux. Voilà, qui tombent sur des enfants. C'est des enfants. C'est trop facile. Déjà, ne posez pas de doigts. Voilà. Parle pas comme ça, ça m'énerve. Non, mais moi, elle ne pas parler qu'avec moi. Non, tu parles qu'avec moi. Non. Tu parles qu'avec moi. Donc vous cautionnez un génocide. Parce qu'on habite en France, on ne doit pas. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous dites de l'Ukraine? Ah, on les emmerde. C'est comme ça? Non, on est terroristes, c'est ça? C'est nous qui massacrons. C'est nous qui massacrons 60 000 hommes. C'est nous qui massacrons des enfants. Non, s'il te plaît, parle avec moi. Je ne le laisse pas te frapper. C'est bon. Voilà, il y a la police qui arrive. Mais il n'a pas compris en fait. J'étais en train de l'empêcher de te frapper, putain, il a rien compris lui. Non, s'il te plaît, ou tu vas me faire des problèmes toi. C'est bon. C'est pas grave. Sinon on a une mauvaise image. Non, ça va.